Sabalo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, donc aujourd'hui on se retrouve sur le petit compte qui est HDV7, comme vous savez, qui est HDV, excusez-moi, 3, voilà, et qui essaye d'aller passer au niveau 100. Donc on est arrivé, alors qu'on est dans un clan niveau 8, what the fuck, on est dans un clan niveau 8, où une guerre de clan très très serrée. Genre, ils ont fait chacun une étoile et ils ont chacun fait des 3 étoiles. Un clan que je vais mettre quand même dans mes favoris. Parce qu'ils ont fait quasiment que des 3 étoiles. Regardez, c'est une guerre de clan équipe épique. C'est pas possible. Et que des 3 étoiles partout. Que des 3 étoiles partout. Donc je vais le mettre en favori, ce petit clan. Voilà. Il a l'air plutôt pas mal. Avec 110 guerres de clan gagnées. Donc c'est pas le thème de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. C'est pas sur ça. C'est sur le petit compte. Voilà. On est passé niveau 17. On est en ce moment avec 4208 dons de troupes. Donc c'est juste énorme. Donc dans cette vidéo, je voulais vous parler surtout de mon appréciation sur la mise à jour. Parce que vous avez été plusieurs à me demander qu'est-ce que oui, mais tu nous as pas dit de qu'est-ce que tu pensais vraiment de la mise à jour. T'en parlais pas trop. Donc bah je vais vous dire. Autant vous le dire, hein, sincèrement. Toi qu'on est là, autant le dire. Bah j'ai beaucoup aimé la mise à jour. Excusez-moi du petit rototo. Donc j'ai beaucoup aimé la mise à jour, voilà, de très bonnes choses. Après, je suis pas d'accord avec ceux qui disent que c'est la fin du farm. C'est pas la fin du farm. Parce que en ce moment, il y a encore les HDV dehors. Beaucoup d'HDV dehors, énormément même. Donc c'est pas la fin. Après, ça profite énormément aux gros rushers. Voilà, c'est pour ça que je pense pas tarder à aller retourner rusher. Moi, j'ai pas tardé. Je finis d'avoir mes héros. Parce que là, j'ai énormément d'élixir noir pour une fois. Et bah, je vais essayer d'aller améliorer mes héros. Et après, je rusherai. Ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai. Je vous ferai peut-être une petite série en même temps dessus. Donc, sous vos yeux, vous avez du live. Voilà, c'est du live. C'est vraiment ce que je suis en train de faire. Cette petite gaffe là, voilà. Alors que, hop, j'essaie de m'échapper. Voilà qui est fait. Donc, oui, cette mise à jour énorme. Les petits gargouilles de niveau 7. C'est juste énorme. Et vous allez avoir sûrement sous vos yeux une petite image des gargouilles au niveau 7. Mais c'est juste énorme. La puissance qu'elles ont, voilà, c'est. Dès que je passe HDV 11, si vous l'avez pas vu, j'améliore mon HDV 10 à l'HDV 11. Et je me fais. Je suis impatient déjà, moi qui suis un grand amateur d'attaques aériennes, voilà. J'adore les attaques aériennes, j'aime bien en faire. Je suis un peu quelqu'un qui n'est pas spécialisé quelque part, c'est-à-dire je gère à peu près les deux. Je fais du 2, c'est-à-dire quand je décide, je suis capable de faire des 2 étoiles sur grosse base en ballon de mollo serviteur, en mobav, et à un moment faire 2 étoiles sur en go wipe. Donc c'est un peu différent, voilà. Je veux dire un peu différent, voilà, c'est assez étrange. Mais bon, il n'y a rien de très choquant. Donc cette mise à jour est vraiment cool, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, je pense que la Clash Con a vraiment aidé, voilà. Après, ce qui est dommage, c'est que je trouve l'hôtel de ville 11, dites-moi aussi si vous aussi le trouvez, mais il est pas hyper joli, voilà, je le trouve pas hyper joli. Loin de là, je le trouvais assez même laid, voilà, pas du tout joli, c'est vraiment bizarre, voilà, j'aurais pensé à un petit truc un peu plus stylé, avec peut-être... comme des murs de niveau 11 là, rouge avec avec de la lave, ça aurait été cool. Là ça fait un peu œuf sur le plat quoi, ça fait omelette. C'est un peu bizarre. Après pourquoi pas, hein, why not. Vous me direz aussi dans les commentaires comment vous le trouvez. Donc là on peut regarder cop que là la vidéo va durer à peu près ce deuxième épisode du 8 minutes. Si ma mémoire est bonne, si je pense bien c'est 8 minutes. Donc on est déjà à la moitié de la vidéo, voilà. On n'est pas là pour faire vraiment des dons, on est surtout là pour parler. C'est juste pour avoir un petit gameplay au fond, voilà. Pendant que les troupes se forment, on va regarder peut-être des petites attaques. Non, on va pas se montrer des attaques. Il n'y a rien à montrer, quoi. À ce niveau-là, il n'y a rien à montrer, c'est pour ça qu'on continue vite fait les dons. Donc, toujours les petits dons, hein, comme vous me dites. Toujours les dons, il est toujours patient... toujours addict des dons. Bah oui, parce que de toute façon, pour arriver du niveau 17, il faut 4329 dons déjà donnés. C'est juste énorme. Moi qui m'a... Bah sur mon gros compte, je crois que j'avais eu des... Je crois que même... Attendez, on va regarder.
Mais je crois que même sur mon petit compte, je l'ai même pas. J'ai même pas la stat que j'ai. Je crois bien. Regardez, on va regarder sur mon petit compte. Pas lui. Alors que là, j'ai dû gagner une défense. Ouais, j'ai gagné des défenses. Parce que j'étais là, voilà. Profil, est-ce que j'ai gagné? Voilà, on a dit, j'ai donné 1992 troupes. Et là, j'en ai donné 4329. Bon, après, sur l'autre gros compte, bien sûr, j'ai donné bien plus. Mais c'est pour vous montrer que même sur ce compte-là, j'ai donné plus que sur mon petit, qui lui est niveau 65. Voilà, donc... C'est-à-dire qu'avec le don de troupes, j'aurais pu être niveau 100 déjà sur l'autre compte. Tout simplement. C'est juste énorme. Voilà, hop. C'est juste que je suis sur l'autre compte. Pour ceux qui me diraient dans les commentaires, je vous entends déjà. Oh le radin. C'est juste que je me connecte un peu moins. Et quand je me connecte, c'est surtout pour demander, attaquer vite et après repartir. Donc je donne pas énormément en masse. Comme sur ce compte ou alors sur les autres comptes. Où je donne énormément. Donc là, je pense qu'on va se faire une petite attaque. Parce qu'il me faut un peu. Il me manque un peu d'élixir. Donc on peut se quitter vite fait sur ça. Voilà. C'est plutôt assez plaisant. On n'a pas donné énormément, je crois qu'on a donné 100 troupes depuis le début. C'est pas énorme. Ça se termine dans combien de temps? 21 minutes. Je crois que je vais même pas la terminer. Je vais passer directement au montage. Parce que si je veux la faire sortir à 22h minimum. Plutôt ouais, 21h, ouais, peut-être 21h30, 22h. Il va falloir que je me dépêche à aller au montage. Donc je suis, pour ceux qui voudraient savoir, parce qu'on m'a demandé dans quel clan tu es, je suis dans le clan Queen Noir. Ou le youtubeur le plus connu, c'est Fifou2000. Voilà la petite chaîne que vous voyez à côté, voilà, que vous devriez voir à l'écran. Donc c'est un clan pas mal. Si vous rentrez dans les recrutements, bah n'hésitez pas, excusez-moi, à venir. Ça ferait plutôt plaisir. Donc la vidéo déjà va pas tarder à toucher à sa fin. Voilà, on va terminer ce clan et on va déjà arrêter la vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, 20 likes, pour m'encourager, simplement tout le temps, voilà. Donc, j'espère que